Salut à tous, c'est Chris Carter pour YouTube, Instant Film sur Twitch, et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Hogwarts Legacy. Hop. On va d'abord aller faire cette quête là-bas, avec son histoire de papillon. J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Ah, les voilà. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardsey aura peut-être une réponse au sujet de ces papillons. Action! Expelliarmus! Incendio! Leviosa! Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, Pré-Holland, mais pourquoi il apparaît pas le truc? Ah oh. Faut que j'arrête de boire même si j'ai jamais bu. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Pré-Holland? Les gens parlent. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Bonjour, Miss Willardsey. Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Oh, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Madame Lawang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discret.
et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple ? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients et de renier les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie! Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Vous avez dit que de plus en plus de clients essayaient de se faire discret. Pourquoi ? Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients serpents cendres doivent avoir leurs raisons. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Je dois y aller. Merci. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Revelio. Quel plaisir de vous revoir. Bon, bah, c'est l'équipe My Plan. On va déjà hop, voir s'il y a des trucs. C'est un plaisir de vous revoir. Que proposez-vous à la vente ? Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? C'est parfait. Merci. Merci pour votre visite. Cela m'a fait plaisir. Ce guide du sorcier est bien. Oh, voilà une agréable surprise. Oui. Et
Revelio. Je me demande qui y vit. Est-ce que c'est un rapport avec ce truc-là, par hasard? Leviosa. Incendio. Expelliarmus. Ah, est-ce qu'il faut que je retourne là-bas? Revelio. Il est censé faire quoi de ce truc là? Action. Ah non, attends. Expelliarmus. Levioso. Ah, attends. What? Leviosa. Je suis censé faire ça, moi. Leviosa, action. Expelliarmus. Un truc qui me permettrait de l'utiliser. Réparo. Lumos. Bon, que ça doit pas être pour maintenant, je pense. Bref. C'est Préolard que je vais faire. Bah quoi, le mec il veut pas que je lui rende ses trucs? Bon bah écoute, si ça l'amuse. Préolard, me voilà. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennui? Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide, vraiment. C'est une bonne chose de faite. Ce fut un plaisir de faire affaire avec vous, Monsieur Pipin. De même, les frais de livraison valent bien le service que vous m'avez rendu. Au fait, j'ai trouvé ce livre de recettes de potions à Pont-Désir. Est-ce qu'il vous serait utile, par hasard? C'est le livre de recettes de Fatima? Oh, je ne pensais pas que c'était le sien. Certaines choses sont sacrées pour nous autres potionnistes. Je vais le lui rendre de ce pas. Ah, donc en fait, je lui ai chouvé le truc dans... Oups.
Revelio. Salut, Griffon d'or. Imelda Reyes, Albi Wix m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace! Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Clopton. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi? La capitaine de l'équipe de Serpentard? Jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Mais pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Qui casse, oui. Mais assez parlé. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Serpentard contre Griffon d'or. Tu pourrais m'en dire plus sur ces circuits? Tu essaies de gagner du temps, cinquième année? Soit. Ce parcours nécessite une grande concentration. Il faut anticiper la vitesse et l'altitude avant chaque virage. Les autres servent à tester l'endurance. Il y a trois parcours au total, construits il y a des années par d'anciens élèves. Depuis que Black a annulé le Quidditch, il ne reste plus que ces parcours. Je leur ai donné une seconde vie et maintenant, toute l'école veut participer. Voyons ce dont tu es capable, cinquième année. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de te voir perdre. J'ai réussi! Thank you.
Ça y est. Oh, j'adore cette sensation. Ah putain, mais les manœuvres sont chiantes. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Très bien, je relève le défi. Tu n'es peut-être pas si irrécupérable que ça. Nous verrons. Mais ne te fais pas d'illusions. Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Weeks. Voir comment je m'en suis sorti. Ah, vous revoilà! Avec des nouvelles, j'imagine! Monsieur Weeks, j'ai gagné une course avec mon balai! Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir! Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent, et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer des balais ? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations ? Je veux dire, si Elliot Smevic s'était laissé décourager par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Thank you.
J'ai toujours dit que voyager ouvrait l'esprit. Je crois qu'il y avait aussi des yeux. Donc, retour, Préolard. Hop, l'otex et potion, il est où? J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame La Wang. Je vous dois une fière chanson. Quel plaisir de vous revoir. Nous avons tout ce dont les élèves peuvent avoir besoin en matière de potions. Prenez le temps de regarder. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt. Bien le bonjour. Je vous en prie, prenez votre temps. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. «
si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. Une pincée de rate de chauve-souris, en poudre. Professeur ? Pourquoi dois-je effectuer ces tâches, déjà ? Le professeur Weasley nous a demandé à tous... Avant de vous enseigner Repulso, je dois m'assurer... Oh, désolé, hein. Magnifique. Vous avancez sur vos devoirs ? J'ai terminé ce que vous avez demandé, professeur. Excellent. Vous êtes donc fin prêt à apprendre Repulso. Voyons cela. Concentrez-vous. Ne laissez pas votre esprit vagabonder. Vous avez compris. Si vous voulez vous entraîner et vous en avez bien besoin, évitez donc. Dans les couloirs. Essayez plutôt d'utiliser les livres enchantés. Repulso ! Bon travail. Je suis heureux de voir la détermination dont vous faites preuve pour maîtriser le sortilège. Repulso ! Non, j'imagine que c'est ce qu'il me fallait pour avoir le truc. J'avais
J'avais débloqué une flamme là-bas. Hein, je préfère. L'endroit semble être assez agréable. Qui a besoin de potions ? J'espère que la qualité des concoctions de Pipin sera là. Action. Répulsion. Ah bah génial, j'ai réussi à me coincer. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été incluse. Répulsion. Oh non, il me l'a refait mettre là-bas. Ah. Mais je pige même pas où je suis censé la ramener en fait. Oh, putain, me dis pas qu'il faut que je lui fasse traverser tout le truc quand même. Ah d'accord. Ah bah faut me le dire. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit. Que la qualité des concoctions de Pipin sera à la hauteur de mes... Réflexion. Il y a de quoi devenir cinglé, n'empêche. Hein. Terminez les tâches que je vous ai confiées, puis retrouvez-moi dans ma salle de classe pour apprendre Tifindo. Revelio. Il est généralement utilisé pour récupérer un objet, mais il peut également être une arme revue.
Expelliarmus. Incendio. Revelio. Et ça s'achète ça chez l'autre. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard ? Bienvenue ! Merci encore d'avoir apporté ces potions à Madame Lawang. Je vous dois une fière chandelle. C'est une sage décision. Merci. J'espère vous revoir très vite. À bientôt ! Et le truc d'Abyssine, est-ce qu'il peut me les fournir, lui? Ah, c'est vous! Quelle agréable surprise! Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. De la... Hop. La salle de potion. Faut que j'attende.
il a vu ça dans la forêt interdite. C'est le meilleur endroit où je puisse. Hop. Et ensuite, à visibilité, c'est ça. J'ai toujours dit que voyager... Quel esprit ! Incendio. Revelio. Je sais reconnaître une épreuve de Merlin quand j'en croise une. Incendio. Expelliarmus. Repulsion. Repulsion. Réparo. À mon avis, ça c'est l'histoire du Diffindo. Du coup, on a dit Poudlard. Hop. Potion. Avez-vous terminé vos devoirs ? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien, j'espère que vous vous appliquez.
Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Oui, monsieur, bien sûr. Bien. En temps normal, j'aurais dit que je m'en moque éperdument, mais vous... Je veux vous préparer comme il se doit. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre digne d'eau. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en classe. Et celle des autres. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. Bon, du coup, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite pour la suite. Salut tout le monde!